congodialogue.com, le site des bonnes manières. Grand merci à vous de choisir ce programme. Dans cet nouvel épisode, parlons toujours de la politique et l'évolution de la politique en RDC. Comme vous savez, moi c'est Joseph Bolois, l'international. Facebook c'est Joseph Bolois. Si vous voulez être toujours in touch avec nous, en contact avec nous par les réseaux sociaux, Joseph Bolois Facebook. Et puis nos numéros sont sur vos petits écrans. Appel normal, pourquoi pas appel aussi WhatsApp, le 027 là que vous voyez dans vos petits écrans. Ramassez la grande dame Francine Guembe de la Belgique, grand prêtre mère, la coordinatrice de ce site des bonnes manières, hein? L'union des grandes femmes. C'est elle qui coordonne tout. Maman Francine Guembe de la Belgique. Merci à toi pour la confiance que vous nous donnez. Merci aussi à vous, chers abonnés. Et si vous voulez aussi nous rejoindre, vous pouvez rejoindre aussi le 20 000, le 21 000 abonnés que nous sommes déjà, faisant partie de ces sites de bonne manière, pour nous encourager par vos SMS. Grand merci aussi à Pierrot El Picasso, les grands boss au niveau de la Belgique qui nous soutient. Yemo Gatalara Boss, Yomoko Pierrot El Picasso. Grand merci et à tous mes confrères ainsi que mes consoeurs du Congo Dialogue. Alors vous savez que le président a fait une visite au niveau de la Rwanda. Il a vu son homologue M. Paul Kagame. Tant de questions qui ont été posées. Bon, Boebikara, le président s'il voyage. Tout ce que le président Félix Tshisekedi fait maintenant est à la une. Des grâces, dis moi, il lui-même avait dit. Contre pour ceux qui va au-delà, au loin, ceux qui vont loin pour insulter, injurier, ne sachant pas, n'est-ce pas, la valeur de ces messieurs, grands messieurs, le président. Il est maintenant président, n'est pas Félix que vous avez connu de l'IDPS seulement, mais il est maintenant le président de toute une nation. Alors, tu peux critiquer, porter vos critiques d'une manière ou d'une autre, mais pas des insultes. Et puis, tant que vous êtes président, il faut quand même apaiser les mots, n'est-ce pas? Alors, toujours éviter qu'il y ait insultes. Loba okoko pesa point de vue na yo so makambozo marcheté, vous avez pleinement raison de pouvoir le faire, mais pas des insultes. Quelqu'un dit Ozalaki Elombe ya Chichi, 35 ans opposition. Et quelle opposition? L'opposition radicale. Alors 3 mois seulement, la Mouka est déjà fatiguée et passe par Monseigneur Ambongo pour une négociation. Bako Baluka, ça c'est un commentaire. Alors cette émission, c'est juste, cet épisode, c'est juste pour Nakoye Bisabino et toujours récolter par point de vue Nabino, par opinion, puis par sujet Bosope Sabison. Alors, président Fatshi est allé Namboka, Rwanda, là il a rencontré son homologue, M. Paul Kagame. Il y a tant de réactions là-dessus. Tant de réactions, président Kenakomona, président à Rwanda, Paul Kagame. Pourquoi peut-être qu'on tisse encore ou qu'on renforce ma relation avec na ba Rwandais et Zola qui sa quand même que Bazaki na ba corps mokassé, c'est na Joseph Kabila. Voilà pourquoi qu'on renforce en gros. Ce sont tous des critiques, ce sont des analyses que les gens font. N'est-ce pas? Une autre critique pour certains, ils disent que le président a créé comme on a Paul Kagame, mais à la tichosette. Alors, basta liste, na ba tiabiema balobi, ça pas tout pour Félix à la takiwana, au fait. Et si m'barate, na chaussette. Donc, ils en ont kaka, ils en ont un événement. Voilà. Mais ce qui m'a plus poussé à faire cette analyse, vous savez que c'est prévu même dans des réseaux sociaux, même dans des chaînes, il y a une télévision. Na mboka na biso que le président doit se voir avec M. Donald Trump, le président des États-Unis. Voilà, je vais vous lire ce qui est écrit, ce que j'ai lu quelque part. Alors, avant tout, tête à tête Donald Trump, exige d'abord une réconciliation. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, et confie la mission à Mike Pompeo pour recevoir Félix à Washington. Les efforts considérables de Félix Tshisekedi a décrispé la crise post-électorale en RDC sont certes à féliciter, mais cherchant une assise non conflictuelle sur son partenariat gagnant avec la RDC. Le président américain veut lui-même s'assurer qu'en dépit de tous les éloges lui rapportés par l'ambassadeur Mike Amer à Kinshasa, de l'envoyé spécial Peter Pan et des sous-secrétaires d'État américains Tibor Ngagi à la personne de M. Félix Tshisekedi sur sa vision
son projet, le président américain a tenu à ce que les petites divergences qui pourront encore mettre à cause son partenariat avec la RDC soient véritablement résolues. Mais Donald Trump veut que le régime Kabila soit totalement éradiqué de la scène politique congolaise avec leurs multiples mafias. Il a ordonné que tous les soutiens nécessaires soient donnés à Félix Tshisekedi pour trahir et sa massité à son accord avec M. Joseph Kabila. Raison pour laquelle, après que M. Joseph Kabila ait envoyé une délégation FCC remettre le nom du prochain Premier ministre à Félix Tshisekedi, les États-Unis ont strictement interdit à M. Félix de nommer ce candidat FCC et de faire une tournée sous-régionale rapide pour aller préparer le terrain en conformité avec M. Tibor Nagy dans la sous-région pour une réaction d'envergure pour toute turbulence que l'application d'un schéma autre que celui de son accord avec les FCC était appliquée. Pour ce faire, les États-Unis ont envoyé le nouvel secrétaire d'État américain adjoint, M. Sullivan d'urgence en Afrique du Sud et en Angola, pour décider, cette fois-ci, de la rigueur à appliquer en RDC après le passage de M. Tibor Nagy, dont sa délégation a attendu, rencontre aussi M. Sullivan à Luanda. Pourtant, Tibor Nagy est déjà reparti. Il en était aussi temps pour mettre toute l'opposition d'accord à ce chemin pour lequel M. Martin Fayulu est totalement d'accord à s'asseoir autour d'une table pour un gouvernement d'ouverture avec Félix Tshisekedi. M. Moïse, aussi totalement d'accord, et le reste de la Mouka s'est prononcé favorablement en déclarant que la plateforme et la Mouka allaient devenir une coalition politique. Cela en vue de constituer conformément à la Constitution une autre majorité parlementaire avec les CACH après s'être mise autour d'une table. Un autre poids politique considérable, c'est M. Nomber Luyeye, l'homme de l'accord cadre d'Addis Abeba, pour lesquels il a dû faire de plusieurs fois la prison à cause de sa vulgarisation après l'acte posé par M. Félix Tshisekedi de nommer une nouvelle figure au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Au cours de sa déclaration politique du 24 mars 2019, saluer ce geste de M. Félix tout en lui rappelant et en lui conseillant vivement de ne pas nommer les premiers ministres FCC et de suivre la voie du dialogue politique comme lui exigé par la communauté internationale. Mais plus précisément, l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est un traité international pour la résolution de la crise politique en RDC. Et surtout les conflits armés à l'est de la RDC ainsi que la tension entre l'Ouganda et le Rwanda dont M. Félix veut être médiateur. En considérant toutes ces choses, alors qu'il est déjà prévu dans l'agenda de Donald Trump, le président américain qui est inhabile de petits détails a dû modifier sa rencontre stratégique avec M. Félix Tshisekedi et a demandé au secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, de recevoir M. Félix Tshisekedi. Ceci déjà du fait que l'envoyé spécial des États-Unis et sous-secrétaire d'État américain, M. Tibor Nagy, ont tous, durant leur contact, préparé M. Martin Fayulu à se rendre aux États-Unis au même moment que la rencontre de M. Félix Tshisekedi et M. Pompeo pour les réconcilier. Lamouka et Norbert Luyeye à se mettre autour d'une table avec Félix Tshisekedi pour créer une nouvelle ossature gouvernementale solide pour la mise en place d'un gouvernement d'ouverture parallèle à la place de celui du FCC pour contrecarrer leur plan machiavélique. C'est lui quelque part, je crois, si vous pouvez, je peux un peu résumer là-dessus,
Monsieur Donald Trump, Monsieur Félix Tshisekedi est prêt à rencontrer Monsieur Donald Trump. Mais Monsieur Donald Trump se disent, et vous savez bien sûr que Monsieur Fall avec ses voyages, il devait se rendre aussi aux États-Unis. Bien sûr, il y était déjà. Mais le souci de Monsieur Donald Trump, avant de recevoir Monsieur Félix Tshisekedi, il sollicite, si c'est possible, que Monsieur Félix Tshisekedi se voie avec le membre de la Mouka, à l'occurrence de Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mouzitu et les autres, pour une coalition politique. Et M. Donald Trump n'est pas chaud à la proposition que FCC aurait proposée M. Albert comme étant Premier ministre. Si cela est le cas, et que M. Félix acceptait la proposition du FCC de nommer le Premier ministre que le FCC proposait, autrement dit, selon M. Donald Trump, connaissant la politique très bien, il aurait été contrôlé par le FCC. Bien sûr que M. Félix aurait été toujours, à tous les temps, le garant de la nation. Mais le FCC aurait toujours quelque chose, quelques mains sur les décisions que M. Félix Tshisekedi aurait à donner, ou peut-être ordre. Voilà pourquoi M. Donald Trump est en train de geler cette rencontre. Il est tenté de manigancer, de faire toutes les manœuvres pour que Félix Tshisekedi puisse, Félix, ouvre la porte, n'est-ce pas, à la coalition entre Martin Fayulu, Moïse Katumbi et le reste. Donc, avant ensemble, va conduire Mboka, va tonga Mboka na biso. Souci n'est toujours la paix et l'unité nationale. On n'est toujours souci, il y a Félix Tshisekedi. Mais là, la grande question se pose. Si Donald Trump réussissait à rassembler la Mouka et Cash, c'est-à-dire je vois Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe, quel sera le sort des FCC, malgré qu'ils soient majorité dans le Parlement? Pour réfléchir ensemble, tout réfléchir ensemble. Est-ce que vous créez sous manœuvre M. Souté? Est-ce que FCC vous allez content au cas où Félix a fongolé une porte? Na bata la mouka groupe a bato na tous les G7 soki G5 ko na nyonso pour ba kita na Congo ba former gouvernement moko ensemble. Quelle sera la réaction de FCC? Parce que nous savons, comme je viens de lire tout à l'heure, que ba koresina ki na dit sa beba et ça ba comme moko unité nationale oyo bien sûr que Amérique soutenir yango yango to moni transition salami dans le calme. Autrement dit, nous voyons que Amérique passe en un mot la gouvernance à Félix Tshisekedi. Tu as dit quand même que Donald Trump a sa grande puissance, États-Unis a grande puissance. C'est comme si il n'a zoko monita a zoko superviser ma campagne stouana. Donald Trump a l'ingité premier ministre et outa na FCC. Sinon te FCC vous allez toujours na kati na ran na kati à jeu. Azo lingate, mais azo sollicité unité nationale, coalition salama na plateforme la Mouka, ba s'associer, ba ta main forte na bango de façon que Congo et kende liboso. Maintenant la question serait, est-ce que FCC kozala d'accord? Ou quelle sera la place de FCC au cas où la Mouka, ba tuna bango nyostuwa na Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, ba lingi ba s'associer main forte na Félix Tshisekedi pour na kotonga mboka et plus pour na gouvernement Ezala établi. Quel sera le sort de FCC et quelle sera aussi sa réaction après visite de Félix Tshisekedi aux États-Unis? C'est vraiment un dossier à suivre. Nous sommes censés d'ouvrir toujours des yeux, que nos yeux soient toujours ouverts pour toyer ba évolution boka ondengini ezokendele. Ce qui était vrai, c'est que tout le monde a qui moi résistance dans Mikolo Lekaki, que FCC soit qui majorité dans l'Assemblée nationale, au niveau parlement. Le cadre mingi IDPS bazala kité contenu à corruption. La question c'était la corruption, la trahison. Tout le monde a déjà mambelé qui pour nous éviter ba nungu wana le président Félix Tshisekedi a suspendu ba élection, a suspendu ba élection au gouverneur et puis a suspendu ba installation à ba sénat, ya ba sénateur. Mais tout le monde a capé ce programme que d'ici le 10 février awa ba ko répondre makambo, ba ko répondre makambo na tout. Mais non to comme il disait. Maintenant, le week-end, le 3 avril, c'est prévu que M. Félix a comme en États-Unis.
Voilà un peu d'informations que nous avons, chers téléspectateurs, et internautes, il y a Congo Dialogue. Peut mourir espace dialogue, il y a José Boloa. Mais nous avons toujours une réflexion pour comprendre l'évolution de Makamon et Zokendele. Est-ce que FCC est en danger? FCC est content? L'amour qui s'associe à Félix Tshisekedi pour un établissement, une installation, un gouvernement à Congo. Influence nini aux États-Unis à ma casse au cas où la mouka indimi nango ba travailler na Félix Tshisekedi. C'est une grande question. Et notre information to moni na ba réseaux sociaux arrivé à voiture y a président voiture moko très blindée bozomona sophistiqué dans les a danser ningeza boy voiture moko trop sophistiqué. Parce que les gens réclament toujours. Oh, il était président, Zotamwana, Namutuka Kala, président Joseph Kabila, Tilelo, tout le monde a un petit écran que bah lié, Mutukana, il m'a bien. Il y a un avion, il y a Turquie, cargo Turquie, n'est-ce pas? Mutuka m'a bien, je crois, Bozomona Babilili. Doto le balé, Suto le bate, Mutuka m'a bien blindé, n'est-ce pas? Très bien blindé. Voilà. Voilà un peu, chers amis internautes, bandeau vous abonnez à Congo Dialogue. Réflexion n'engagez pas sa bine en Guana. Pays n'a plus sauf au milieu ça toujours fumoama. Tous à la fanatique kakate, mais tout vend à quand on réfléchit, n'est une évolution aux okende. S'il y a eu des accords entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi, petit à petit une évolution aux okende. Le tozé bas ceux qui sont solo tozé à l'okutate. Est-ce que Félix a qu'on s'est laissé toujours manipuler na accord entre Joseph Kabila na yé? To Félix Pessing la télématant que président de la République parce qu'a eu déjà Bokondi wana, a eu déjà poste wana et dit que c'est quoi Simba pena autorité pe direction en mboka pona ko bongsa ba domaine mususu ça et là to mona au Rwanda. Qu'est-ce qui a été dit to monika pe si discours azo se battre toujours na unité nationale pena kimia na mboka mais ba koro musu ba lobby na Paul Kagame soto e bien ngote, n'est-ce pas? Prochain voyage est en États-Unis. Et boye bikom bo mon ntangele bino report oyo tout article oyo bazolinga ba tsaya en tant que médiateur entre Uganda na Rwanda boye déjà Uganda na ba conflit za makasi wana. Mais Félix ben ba jouer mta continuer ka lobby le biawa azala en tant que médiateur. C'est que le monsieur travaille. Il a un grand travail à faire non seulement en Afrique mais na RDC. Alors non seulement en RDC, en Afrique, non seulement en Afrique, dans le monde entier, Mobimba. Parce que tu dis que Biso Congo, RDC, ils ont le rôle à monter ma Afrique. RDC, ils ont le rôle à Lipa. Oyo ba mboke belé ba zuluka bakata. Ba occidentaux, le boko na bango richesse ya ba mboka, richesse ba chinois, richesse ba coréen. Développement États-Unis, ils ont dépendre pe na RDC. Alors le président a un grand rôle à faire, un grand travail à faire. Alors tout ce que nous avons brillé dans le monde, Mike Wana, eux que ça l'état casse la tête. Mais tout soutenir rien de façon que ils ont mis belles signes là résoudre pour unité vanda. Ben investisseur bah y en a qui mieux non so, bah investi, mais ça les salama. Bah travaux déjà tout le monde en a banzé là. Absolument ils ont moins net sur le côté, mais ça va quand même. Ils ont quoi aider quand même. Bah boulevard non y a un gars banan universitaire. C'est un banzélé belé, c'est un travail dans l'infrastructure et c'est un vent dans le cas du Congo. Tout ce que nous avons brillé, le débat est que nous avons pas de chaussette. Comme le président, a zoomé la juillet à 50 francs dans le stade. Ce sont des banalités, ce sont des événements. Il a un grand défi à relever. 18 ans, il y a gouvernance, il y a M. Joseph. Il y a un dans le bien, l'économie est dans le bien. Vous pensez qu'un éclair de comme ça va changer tout? Non, ça demande encore du temps pour que M. Félix ramène la RDC en état démocratique et puisse ramener la RDC en état de droit. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, de façon que, avant de s'emboka, ils ont un état démocratique et ils ont un état de droit. La chose qui ne sera pas facile. Alors, pour le moment, tout ce que tu as la visite dans les États-Unis, dernier copé, c'est là. Si seulement, il y a des demandes que Martin Fayon a battu, sont des Congolais. Bouya, bo s'associer, bo ta merde, ba boum, ba boule, bo zana, ba richesse, bo zana, on libanda. Bouya, nango, de façon que mbambongo, bo bomba, bo mana, ba pays wana. Jean-Pierre Ben, bo zana, la rebelle, Moïse Katumbi, tu as beaucoup d'argent.
avec l'ensemble des parties sur plateforme na yobo ya na Congo botonga bozongi saba onyo sobo piaka na tanga ba na bali baba ba neleka bozongi saba ressources na tout de façon que mboka mbong za na caisse. Mais si vous vous gardez na coin na bino toluka mo na mboka zonga mo na mboka yewa na zi alors ba mbongo bochacha libana pourquoi ne pas prendre ba lar na tuna ba banque ya Afrique du Sud abisika toza na ba Europe pour renforcer quand même caisse ya l'état pour être ba petit peuple bazwa misala ba petit peuple courant ezala na mboka manzela efunga ma très bien mayezala au moko potable. C'est le pays le plus sale quand lorsqu'il s'agit de l'eau. Congo mboka oto za na fleuve Congo metala mai ba tuzomela to poza na bonne santé mai ya bien pour na ko éviter ba paludisme na fosso stoma otoxa mai otoxa pe na nini courant ezate n'avo pas des eaux potables. Mais bambo comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau potable? On se comprend, n'est-ce pas? Cher ami téléspectateur, dans le Congo, réflexion est en train de se si seulement que l'amour pouvait s'associer à la cage, à tant que dans le Congo, la richesse est en train de se faire pour que RDC, ça serait une bonne chose. Donald Trump a telle mesure de proposition, il y a le premier ministre au FCC proposé, Félix Tshisekedi. Sort dans le Congo, un dossier à suivre. Grand merci à Didier Kunga, à Niva Suisse. Grand merci à El Picasso, Pierrot. Merci à Maman Francine Ngembe. Et puis à Mourenion sur Congo Dialogue. Et puis à Bonignon sur Congo Dialogue. Pour rejoindre 20 000, 21 000 abonnés à Congo Dialogue. Pour te réfléchir ensemble. Pour te mbo cannabis et kendeliboso. C'est déjà un pas. Babou Amikem qui se trouve tout l'année là. Et ça, la manon nous t'est. Tombe la présidente à Katia Terrain. Stade des Martyrs, full. Amémi quand même moto naé quand même Léopard Junior baza qualifié Léopard Senior bangona baké Coupe d'Afrique des Nations na Égypte na mois de juin awa ce sont des bons signes au monde quand même présent jouer fair play présent au Sekanaba tout présent au Beta Mbote na bato n'est-ce pas on s'attendait pas à cela mais salami nango ezo la sera même ba signique les messieurs aza na moi chance et puis na moto moko boy oyoko ko télé misamboka alors il a besoin de notre soutien. Rencontre peu déplacement et nous tous nous devons le soutenir de façon que Mboka RDC sont en état na yango. Nous continuons la conversation. Nous attendons le résultat. Si seulement Lamouka pouvait comprendre. Si seulement Lamouka pouvait comprendre que nous sommes les fils du pays. Et nous avons même demandé selon l'accord na Mboka salaire qui n'a résultat basse na Bruxelles. Que Baliba comme Salamouka comme étant plateforme politique, tant mieux. Mais pour moi, est-ce qu'on a minuto, on a IDP Sazato, Félix Sazan a na parti mon opposition tena minuto. Ce que sont vous ça l'opposition contre qui? Parce que vous avez na mboka, aza même pas na 3 mois. Ce que vous opposez na nini? Vous allez vous opposer en quoi? S'il y a eu des accords entre lui et Joseph Kabila. Vérité résine et si tout le monde lit dossier wana. Est-ce qu'on ne peut pas lui prêter main forte? Ce qui trahira qui peut-être va corps mon koboye. L'avenir donnera toujours raison. Moi, c'est Josso Bola International. Je vous remercie encore une fois, chers compatriotes congolais. Vous êtes branchés connectés dans la diaspora. Vous êtes toujours connectés dans Bisso. N'est-ce pas? Ego Simba. Bye.